Brisser les barrières sera notre sujet d'aujourd'hui et c'est un honneur pour moi de pouvoir partager cette vidéo avec chacun de vous. Euh, je m'appelle Raquel Ors et j'aimerais considérer avec vous un des éléments qui produit un grand éloignement entre les individus, les couples, les familles, les sociétés et même les nations. Et pour cela, on aimerait considérer les principes qui devraient être utilisés pour pouvoir éliminer des barrières, des obstacles, n'importe quel élément qui empêche une connexion harmonieuse et heureuse. S'il vous plaît, accompagnez-moi dans les prochaines 30 minutes. Pendant le pèlerinage du peuple d'Israël dans le désert euh, à peu près 40 années, la deuxième génération arrivent devant le fleuve Jordan. Et ça a été une barrière naturelle qu'ils ont rencontrés et qui leur séparait d'obtenir euh, la conquête de cette terre qui était promise depuis Abraham et après ça à, à tous les autres patriarches jusqu'à ces moments là Ça a été une muraille naturelle que Dieu miraculeusement a fait euh, a ouvert le fleuve pour pouvoir euh, le traverser, mais face à eux, il y avait un autre mur et ça a été la ville de Jéricho. Ça a été une ville qui euh, était fortifiée comme un centre commercial et des routes très importantes dans l'Orient. Et cet obstacle était devant eux. Et évidemment, ce n'était pas naturel, a été créé par des êtres humains. Et en relation aux murailles, aux obstacles, j'aimerais hum, considérer un aspect très important face aux difficultés. Si nous considérons les inconvénients comme des défis. Et les empêchements comme des opportunités, nous allons nous rendre compte euh, aussi à travers une histoire euh, qui raconte d'un empereur chinois. Nous savons que Chine a eu beaucoup de difficultés pour euh, réussir l'unité de toutes ses provinces. Mais dans une opportunité comme une des provinces, et ça a révélé et, à l'empereur, euh, évidemment, euh, il a convoqué son, son armée pour euh, y aller et commencer une guerre et, et, et leur sécuriser si c'était nécessaire afin d'obtenir leur, euh, de, leur euh, obéissance. Alors, l'empereur a commencé son voyage avec toute son armée. Et, et il a procédé à avoir un dialogue avant tout. Et à partir de ces dialogues et cette dynamique d'interconnexion, il a réussi à éviter la guerre et que la ville et toute la Provence puisse réintégrer et, et promis des obéissances à l'empereur. Alors, Bon, son armée, les principaux chefs militaires étaient, bon, très surprises. Parce que il n'y a pas eu des exécutions, de la guerre, il n'y a pas eu aucun type de conflit militaire. Et ils, ils ont commencé à questionner, comme, oh. Mais le roi, l'empereur a dit pourquoi je vais commencer une guerre si mes ennemis sont devenus mes amis. La muraille a été brisée, alors il n'y a pas eu besoin de conflit. Quand nous parlons de cette situation dans laquelle Israël s'est trouvé, si nous continuons la narration que nous pouvons lire en Josué chapitre 6, et c'est la prise de Jéricho. La prise de Jéricho a tout, tous les principes pour pouvoir briser les barrières. Et c'est ça le plan de Dieu. On va le suivre. Alors, nous allons voir notre premier point. L'élément fondamental face aux obstacles face à cette limitation, à ce rejet, un obstacle qui était très évident, c'est l'observation et l'analyse. Et c'est très significatif parce que avant de procéder à n'importe quelle action quand nous voulons résoudre un conflit ou rétablir une relation ou essayer un rapprochement important, nous devons suivre ce premier point en Josué. Et il dit Je suis six ans. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Alors il y avait un blocage de communication. Les portes étaient fermées. Israël était à l'extérieur, pratiquement proche à la ville, mais tous les restes du peuple étaient à l'intérieur de la ville. C'est très intéressant parce que en Josué chapitre 2 verset 9, Raab raconte, euh, à l'espion qui a été envoyé pour vérifier la ville, il, il avait dit, tous les gens tremblent devant vous parce que ils, ils avaient entendu euh, tous les miracles en Égypte le désert le, comment ils ont croisé le, le fleuve alors euh, ils avaient peur et c'est très intéressant que dans notre observation et analyse d'une situation difficile Premièrement, nous devons essayer de comprendre pourquoi cela se passe-t-il et réellement ces déclarations nous le confirment. Généralement, c'est la peur, c'est l'insécurité, peut-être les préjudices, peut-être de ces blessures, de situations traumatiques du passé. Généralement, c'est un, une méthode de défense que l'être humain utilise entre euh, conjoints, de parents et avec euh, les autres pour se protéger. Mais cette protection se donne euh, d'une façon très évidente parce qu'il existe la peur, l'insécurité et la méfiance. Alors, avant de procéder à une action, nous devons observer et analyser les pourquoi. Comme deuxième point, c'est très important, c'est la proximité et la cohérence. ces deuxième point dans le plan de Dieu pour euh, briser des murailles, spécifiquement de Jéricho, exiger cette proximité aux murailles et en plan cohérent. Nous allons lire la citation qui parle de ça, après de l'observation et l'analyse. Josué chapitre 6, verset 3. Faites le tour de la ville. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Quand nous savons à peu près quelle est la muraille, quel est l'obstacle. Nous devons commencer à créer une dynamique de proximité. C'est pas seulement comme ok, il y a une muraille, alors on va l'éviter. Non, nous devons euh, essayer un, un rapprochement. C'est très important. Chercher la proximité à l'individu. Essayer des activités ensemble. Et faciliter les dialogues, partager des expériences satisfactoires, heureuses, et ensemble, entre le couple, la famille, le groupe humain. Et ce fait que pendant six jours, tous les jours, il devait commencer la marche faire le tour à la ville vient à confirmer non seulement le besoin de la proximité, mais aussi de la consistance, la cohérence. C'est pas que une fois on essaye un dialogue et c'est tout. Non, il y a un plan et constamment, régulièrement et précédemment établi, on maintient ces rapprochements. Nous avons un troisième point qui est vraiment important en suivant la narration que nous trouvons en Josué 6, et c'est les stratégies et les ressources à disposition. Ça veut dire pas seulement et on observe, on connaît les pourquoi, on analyse la situation, on, est, on établit euh, un plan d'action. Et des cohérences, mais maintenant aussi nous devons établir une stratégie. Comment on va les faire Et nous trouvons vraiment um, très bien expliqué un patriarche et prophète, où nous trouvons euh, ce, dans ce livre historique biblique en quoi est consistée cette dynamique, cette cette stratégie et quelles ressources ils ont utilisées pour pouvoir transmettre un message aux personnes qui étaient à l'intérieur avec du porc et avec beaucoup de préjudice et de rejets au peuple d'Israël. On va lire cette citation de Patriarches et Prophètes, page 4, 5, 70 la tête de l'armée était composée d'une troupe d'élite à laquelle on ne demanda ni valeur ni prouesse mais une simple obéissance aux ordres donnés puis venait l'arche auréolée de gloire et portée par les prêtres revêtus de leurs vêtements sacrés l'armée suivait chaque tribu sous son étendard Telle était la procession guerrière qui fit les tours de la ville condamnée. On n'entendait d'autre bruit que celui des pas des hommes et le son lugubre des trompettes répercutées par les collines et résonnant jusque dans les rues de Jéricho. Alors c'était pas juste un groupe de personnes ou quelques cellules. Puis ont commencé à courir et... Pff. Euh, faire le tour de la ville non il y avait un, un système il y avait un ordre et une stratégie parce que ils voulaient communiquer un message le premier message c'était ordre ça veut dire toujours que nous voulons vaincre une difficulté nous devons avoir de la discipline ça veut dire démontrer que même si l'autre individu ah comme une attitude rejet explicite même et un comportement offensif aussi cette marche que le on voyait pendant six jours une fois dans la journée le premier message c'était l'ordre et le deuxième était la connexion entre les parties chaque, chaque partie, il a montré le soldat avec toute son armure. Mais quand nous voyons Ephésiens 6, 10 jusqu'à 18, nous savons quelle est l'armure du chrétien. Et nous, quand nous essayons ce rapprochement et ce message que que nous voulons montrer des vertus divines comme la vérité, la justice, l'évangile des pays, la foi, le, le salut, la parole de Dieu, la, la prière, la vigilance, la persévérance et la supplication. Et il y était tout un message complet qu'il voulait transmettre. Et nous, spirituellement, nous devons le faire dans ce processus de préparation pour le la brise des obstacles, mais euh, en plus de démontrer toutes ces vertus, euh, nous devons regarder que dans le centre de la procession, il y avait la larche de l'alliance, et à l'intérieur les dix principes éthiques moraux qui doivent guider la conduite de tous les êtres humains. Et toujours avec notre désir de pouvoir briser les obstacles, éliminer des murailles. La parole de Dieu et son caractère, les propres reflets des, les principes qui guident le royaume de Dieu doivent être matérialisés dans notre propre existence. Immédiatement après, aussi, suivez un autre groupe humain qui représentait les tribus et que, au même temps, comme une représentation spirituelle avec une combinaison des éléments humains, euh, oh, c'est, il établissait un programme démonstrative chaque jour devant le peuple de Jéricho. C'est très significatif dans notre pratique euh, euh, habituelle. <laughs> ben, au moins c'est comme ça qu'il devrait être. On va continuer avec Josué 6 et on va continuer avec le point 4 de notre programme de plan divin de éliminer des barrières. Celui-ci est vraiment important parce que la combinaison de force, résistance et pouvoir que la première, euh, le premier groupe de soldats montrait, mais aussi la présence des prêtres de l'Alliance évident donnait l'impression ou montrait la partie spirituelle. Alors, on doit avoir de la force, les, on doit être ferme pour pouvoir euh, éliminer des obstacles et faciliter la reconnexion avec notre couple, nos enfants, nos parents, n'importe quel autre, autre être humain. Alors, ces, ces professions étaient une combinaison entre l'intervention humaine et l'intervention divine. C'est un exemple que nous devrions suivre parce que même que les murailles n'étaient pas éliminées, Hébreu 11, 30 dit c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Alors, c'était stratégie qui était faite accompagnée par la le, le système et la dynamique de l'action étaient tellement coordonnées que favorisaient ou qui allaient favoriser l'élimination de la barrière. Nous allons passer à notre cinquième point qui doit être considéré en détail. Alors les plans faits pendant six jours étaient vraiment presque au bout de 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 finir, alors, le septième jour avait comporté certaines différences. Ce septième jour, après faire une, une fois le tour, c'était pas juste comme tous les autres journées. Sinon, maintenant, ils sont donnés sept tours. Sept fois. Alors, l'intensité, la persistance maintenant dans la fermeture de tous les processus était vraiment important. La deuxième différence, c'est que ils allaient euh, sonner les trompettes, et, mais maintenant pas comme quelque chose est euh, courte ou basse, mais vraiment c'était retentissante et long. Alors, dans ce processus de briser des barrières, nous devons, nous devons avoir une période pour la grâce pendant six jours et le jugement ou l'exécution finale dans le septième jour. Alors, l'intensité et la persistance doivent arriver au point maximal. On doit avoir un plan pour pouvoir rétablir et reconnecter des relations humaines. Et jusqu'à présent, nous avons pu être capables de regarder cette action. Nous allons passer au sixième point du plan des dieux pour briser des barrières ou les murailles de Jéricho. Et il parle de la simultanéité et l'impact de cette action. Et c'est très important de considérer aussi d'une façon importante. En Josué 6.5, il dit... Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Ça veut dire, il y avait une unité d'objectifs, de, de propos. Tous ceux qui voulaient briser la barrière, euh, la persistance était constante pendant les six jours. Le septième, c'est pas, c'était pas seulement la persistance ou la consistance de, de faire le tour de la ville. Mais c'était pas juste une action, mais il y avait aussi un impact auditif. Et il y avait aussi une unification, parce que c'était à une seule voix. Et c'est très intéressant de donner un message correct, comme nous le trouvons en 1 Corinthiens 14, 8. Il dit, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Ça veut dire, c'est essentiel d'agir, de décider et de communiquer en harmonie avec la parole de Dieu. D'accord à cette à motivation de briser les barrières. Parce que dans toutes les relations, il y a des éléments perturbants, toxiques, blessants et éloignants, et on les perçoit comme une barrière, comme même si nous, le, nous ne les voyons pas comme ça. Alors c'est très important de utiliser chaque point qu'on a vu aujourd'hui, éliminer des doutes, euh, éviter aussi des changements dans les plans de rapprochement. Le septième point, c'est vraiment fondamental parce que c'est la réussite de la prise de Jéricho. Et c'est vraiment impressionnant que la description en Josué 6.5 est dit, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple... Montera chacun devant soi. Alors, c'est très important. Les promesses du Seigneur sont sûres et certaines. Et comme nous avons lu en hébreu, les murailles sont tombées par la foi. Le Seigneur a agi. C'était pas une intervention humaine. Et pourquoi ça a été tellement euh, merveilleux, les résultats. Et il y a ici une citation très importante que j'aimerais analyser. Il dit, la volonté humaine participe à la toute-puissance dans la mesure où elle coopère avec la volonté de Dieu. Ça veut dire, c'est vraiment très important ces déclarations parce que les murailles de jéricho c'est un bon exemple quand la volonté humaine collabore coopère sur certains avec la volonté de dieu il n'y a pas de limite il n'y a pas de d'obstacle il n'y a pas de barrière qui résiste pourquoi on va continuer la dernière phrase tout ce qui doit se faire sur son ordre peut être accompli par sa force. Tout ce qu'il leur donne, il le donne. Alors, le Seigneur a brisé des murailles. Comment il ne peut, il, il ne peut pas être capable de résoudre nos problèmes? Tous ces commandements sont des, des ordres. Alors, nous devons être pacificateurs. Des, des, ambassadeurs de réconciliation. Un de nos objectifs doit, de notre existence doit être soit dans la famille, au travail, à l'école ou en général, en général dans nos relations humaines. C'est vrai que une victoire ne garantit pas le succès, mais elle est ratifiée en continuant dans la fidélité et l'obéissance en allant dès l'avant, alors on avance dès l'avant de la même façon comment les Israélites l'ont fait c'est sûr qu'il y a, ils, ils vont trouver d'autres circonstances d'autres situations, mais ces barrières, ces séparations en considérant tous les victoires précédentes ça donnait une référence pour les restes d'obstacles que nous pouvons avoir dans le futur. Alors, on peut retourner à la Chine. Vous vous rappelez l'histoire de l'empereur? Alors, on va parler un peu de la muraille. La grande muraille de Chine est construite par Cercyon. Alors, on estime, ce n'est est pas construit entièrement, mais estimé, que la longueur totale de la Grande Muraille chinoise est de 21,196 kilomètres. Et c'est vraiment impressionnant. Cependant, cette distance, ces longueur, équivaut à un peu plus de la moitié de la circonférence de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire Mmh. Le propos de la muraille chine était éviter l'entrée des envahisseurs, des tribus, euh, des groupes nomades qui habitaient la steppe eurasienne. Heureux, heureux, Elle a été construite pour éviter l'entrée des, des invasions des peuples qui avaient d'autres cultures, d'autres valeurs. mais on peut parler d'un ex, exemple plus contemporain, et c'est le mur de berlin. nous savons que après la deuxième guerre, et euh, passée la guerre froide, et le continent européen a souffert une, une évidente séparation entre des pays avec un système capitaliste ou un régime euh, communiste. Et alors c est, c est, ce mur a été construit en Berlin et a divisé euh, même le pays avec deux nations. Un, d'un côté, était la République démocratique allemande et l'autre, c'était le régime fédéral communiste. Alors, ce, ce mur divisait le pays, le continent. A été construit en 1961 et a été euh, brisé en 1989. Et ce qui est intéressant de ce mur en comparaison avec la muraille Chine, c'est que la muraille Chine protégeait de l'extérieur. Mais le mur de Berlin prétendait éviter la sortie du peuple, alors empêcher que personne abandonne le territoire qui s'appelait République démocratique allemande. Alors c'est très important parce que nous pouvons avoir des barrières ou des empêchements de l'intérieur ou qui sont donnés de l'extérieur. Et que ce soit, c'est pour ça, d'une façon symbolique, qu'on a utilisé la muraille et chinoise et la muraille de Berlin. Euh, alors, si nous nous voyons comme des êtres humains avec des ob un obstacle pour pas avoir des contacts, soit de l'intérieur ou de l'extérieur, ça... Nous aide à avoir une, une position face aux situations traumatiques, les trahisons que nous avons souffert, les abus, et aussi de regarder nos défauts, nos pratiques incorrectes pour bloquer aussi l'influence divine. Et c'est pour ça qu'il y a un isolement volontaire de préservation que qu'on trouve en essay 59 de dit Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Mais c'est ça notre condition de l'intérieur à l'extérieur. Mais le Seigneur veut rétablir la relation. Et c'est écrit en Ephésiens 2, 14, et il dit que le Seigneur désire abattre le mur de séparation entre des individus, des races, des genres, et entre ce que nous sommes, et que c'est différent à ce que nous devrions être. Et cette ouverture à laquelle nous serions être prêts à avoir pour éliminer des barrières. J'aimerais partager une petite anecdote de Spurgeon. Lui était un des ministres d'origine protestante plus fameux de dernière partie du de 18e siècle et principe du 19e siècle. Et un jour, il rendait visite à un ami à la campagne. Il a vu qu'au-dessus d'une de, des granges, il y avait placé une girouette avec l'inscription Dieu est amour. On sait que la girouette va tourner avec le sens du vent. Alors Spougeon a été un peu surpris parce que son ami avait écrit Dieu est amour. Alors, qu'est-ce que tu veux dire que l'amour de Dieu était aussi changeant que les vents? Et l'homme a répondu, non, ce qui je veux dire, c'est que Dieu est toujours amour, quelle que soit la direction dans laquelle les vents souffle. Et ça, c'est une chose que nous avons besoin de savoir. Tous nous, nous savons des murs. Tous nous, nous savons essayer de nous protéger à cause de blessures, de péchés. Euh, à cause des offenses ou de la douleur que nous avons reçue. Ou peut-être que nous avons nous-mêmes provoqué. inconsciemment ou conscient. Alors, l'expérience de Jericho nous apprend, point un, à ne pas déclencher des guerres, à ne pas construire des murailles, mais, contrairement, à avoir comme centre Dieu et sa parole. Parce que nous savons que les soldats, c'était pas les soldats qui ont abattu les murailles, mais après les trompettes et l'union des voix de peuple et avec la puissance de Dieu, alors c'est comme ça qu'ils que la muraille a commencé à se briser. Il n'y a pas eu un conflit ou une guerre. Il y avait une intervention divine et que démontrait que l'obéissance et la fidélité et, et suivre les principes que Dieu avait établis toujours, toujours vont briser des barrières parce que nous devons être motivés par les principes et donnés en Galates 5:6 la foi qui est agissante par l'amour. Et c'est c'est important que la patience, l'obéissance, l'amour et tous les les, les fruits de Saint-Esprit comme il est décrit en Luc 21, 19, par votre patience, vous sauverez vos âmes. Et, et ceux des autres, s'ils si sont prêts à briser leurs murailles. Et j'aimerais finir avec une citation très motivante en 1 Corinthiens 15,57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Suivons le modèle d'action du plan pour briser les murailles de Jéricho. Le Seigneur va nous aider à obtenir la victoire et aller en avant. C'est mon désir. Amen.